connaît la vérité sortie aujourd'hui sur Netflix du documentaire Choc sur Meghan et Harry. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël? C'est une question. On s'en fout pas. Kevin. Ah, je m'en claque complètement. Bruno, on s'en fout réellement. Joël. C'est odieux. C'est odieux envers la couronne royale. Non, mais moi, de toute façon, tout ce qui est la couronne, je suis sur The Crown, Meghan et Harry. Enfin, je suis tout. Des révélations croustillantes. Non, mais je pense qu'il n'y aura pas de vraies révélations croustillantes. Je crois que c'est un teasing. Et parce qu'il y avait déjà eu l'interview avec Oprah Winfrey, etc. Et je pense qu'on va savoir ce qu'on sait déjà, mais juste parce que j'aime bien. Alors, mais Harry et Meghan, tu les aimes bien ou au contraire, c'est les méchants de l'histoire? Ah non, moi, je les aime bien. Non, je les aime bien. Les Anglais les détestent maintenant. Oui, mais ça, c'est. Oui, mais ça, je sais bien. Non, moi, je les aime bien. Ce que j'aime pas, c'est le roi actuel et Camilla. Charles III ? Non, j'aime pas. T'aimes pas Camilla ? Bah, la méchante, la sorcière. Non, ça aurait dû être la place de Lady Di. Encore, on allait à 90. Ça va être difficile. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est bon. Mais j'imagine Joël, tu sais, devant sa série Netflix, à attendre vite les révélations. Mais ils vont cartonner. Mon chéri, il est désespéré. De Joël. Netflix a déboursé 100 millions d'euros pour ce doc. Donc, ils attendent un retour encore plus important. Ça va cartonner dans le monde entier. Je vérifiais là si c'est en ligne. Toujours pas. Ça devait être à 8 heures londonienne. Bah, en tout cas, les trois premiers épisodes seront en ligne aujourd'hui. Trois autres. Tu vas voir. Demain, ce sera intéressant de voir le streaming.